nommé à l'appel des morts. Adam Louis. Oui, mort pour la France. Bach Marcel. Mort pour la France. Bertolino Martin. Mort pour la France. Bloch Marc. Mort pour la France. Bonnet Lucien. Mort pour la France. Bourreau Marc. Mort pour la France. Bribaud Francisque. Mort pour la France. Cachon Armand. Mort pour la France. César Louis. La vie de Marc Bloch peut être évoquée en quelques mots. Né en 1886 à Lyon, d'une famille juive établie en Alsace depuis le XVIIIe siècle, élève de l'école normale supérieure à 18 ans, professeur d'histoire et de géographie, mobilisé pour la Grande Guerre qu'il termine comme capitaine, maître de conférences d'histoire du Moyen-Âge en 1919 à l'Université de Strasbourg, fondateur avec Lucien Febvre de la revue Annales. Professeur à la Sorbonne, titulaire d'une chaire d'histoire économique, mobilisé en 1939, évacué au moment de la débâcle, relevé de l'interdiction d'exercer liée au statut des Juifs pour service exceptionnel rendu à l'État français, entrant en 1943 dans la clandestinité, arrêté par les Allemands le 8 mars 1944, torturé et détenu à Montluc, fusillé le 16 juin à Saint-Didier-de-Formans. Pour tous ces patriotes lâchement assassinés par les Allemands, je vous demanderai une minute de silence. Depuis, l'autre vie de Marc Bloch a commencé. J'ai noté que la majorité a été arrêtée en mai. Oui. Et mon père a été arrêté en mars, le 8 mars. Oui. Et mais si ça se trouve, je pense que c'est peut-être la même filière, l'arrestation de Bonnet, parce que Bonnet, donc, lui, était responsable des... Ah oui, oui. Il me semble, les groupes francs, il a été arrêté le lendemain rue de Marseille, et je pense que c'est peut-être bien la même affaire dans laquelle votre père a été trempé. C'est possible. Non, parce que la résistance régionale à Lyon, à partir du... Il y a eu le service maquis qui a été décapité à Lyon, place Puy de Chavannes, début mars. Après, l'état-major régional maquis a été décapité, et donc votre père au mur... Bonnet, qui était au groupe franc de l'armée secrète, je crois que tout ça, ça se tient un peu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé, malheureusement, qui a été fusillé d'ailleurs après avec ses camarades. Mais... Je retrouve dans mes lettres, j'avais un témoignage de quelqu'un qui était avec votre père, et qui d'ailleurs c'était intéressant parce qu'il m'avait dit que votre père avait fait des cours d'histoire et il disait que les villes, c'était les cercles concentriques, c'est-à-dire qu'une ville se faisait toujours... Non, c'est quelqu'un, mais je ne peux pas arriver à retrouver cette lettre chez moi. Cette personne expliquait que en cellule avec votre père, lui, il était tout jeune, les cours, mais c'est la fondation des villes qui se fait toujours avec des cercles concentriques qui se développent. C'était des grandes théories de votre père, je ne suis pas spécialiste, mais... Et donc il savait bien qui il était. Mais je crois que de toute façon, votre père était un visage découvert. Tout le monde savait qu'il... Enfin, il était connu de la communauté scientifique, mais je crois qu'il avait... Il était tellement compromis qu'il n'avait plus rien à perdre de dire qui il était. Blanchard, c'était son nom officiel. C'était son nom officiel. Chez Saint-Logeuse. De couverture, oui. Pour nous, il était Narbonne, Chevreuse ou Arpajon. Oui. Mais... Effectivement, on a bavardé, mais enfin, je n'ai jamais eu un contact de travail avec lui. Mais tu ne penses pas qu'il est venu à Franc-Tireur, bon, bien sûr, par l'intermédiaire de Maurice Pessis, mais qu'il a été attiré par les idées de Franc-Tireur, qui étaient quand même des idées tout à fait enfin, particulières. Je veux dire que le mouvement s'est classé très vite comme étant anti-pétainiste, républicain, démocrate. Oui, est-ce que ça n'a pas joué le Franc-Tireur, déjà France Liberté, mais surtout Franc-Tireur, condamné totalement Philippe Pétain comme un grand responsable et a dénoncé la tricherie, la tromperie qu'il mettait en œuvre pour camoufler des idées plus pernicieuses. Marc Bloch était un organisateur de premier ordre. Il avait un esprit logique, méthodique, extrêmement... poussait beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai qu'il a eu à ce moment-là un rôle important dans l'organisation et l'unification des mouvements qui lui tenaient beaucoup à cœur. Au moment du 1er mai 1942, le mouvement Franc-Tireur a été la partie prenante. Et il y en a eu des gens. À l'époque. Et qui tous se sont rassemblés. Pas vraiment les non, mais c'était important mais auprès d'une. C'était extrêmement important. Auprès d'un.
d'un monument commémoratif qui symbolisait la démocratie, la République. C'est tout de même une époque là où la police ne se contentait pas d'encadrer les manifestations. Absolument, il y en a eu des gens d'arrêtés. D'ailleurs, Avinin a été arrêté à la suite de cette manifestation. Ce dernier jour, j'ai repensé beaucoup, puisqu'on avait cet entretien aujourd'hui, j'ai repensé beaucoup à Marc Bloch et aux responsables de Franc-Tireur. Et je me suis dit, s'ils pouvaient nous voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils penseraient de notre combat de l'époque ? Alors, je crois qu'ils le jugeraient comme ayant été indispensable et incontournable, mais que peut-être aujourd'hui, que le combat qu'ils ont mené à l'époque serait peut-être à reprendre pour effectivement réexprimer des idées de liberté, de république et de démocratie. C'est assez naturel que l'ouvrage posthume « L'étrange défaite » ait été publié par Franc-Tireur. Bien sûr. Ah oui, non, c'est tout à fait ça, naturel. C'est... Mon père a tenu essentiellement à ce que l'ouvrage soit publié par Franc-Tireur. Et c'est déjà là, Marc Bloch dénonce le Pétain. Il est remarquable. C'était un ouvrage de tout premier rang. La France de la défaite aura eu un gouvernement de vieillards. C'est tout naturel. La France d'un nouveau printemps devra être la chose des jeunes. Quel que puisse être le succès final, l'ombre du grand désastre de 1940 n'est pas près de s'effacer. Peut-être est-ce une bonne chose d'être ainsi contraint de travailler dans la rage. Je n'aurai pas la prétention de leur tracer un programme. Ils en tireront eux-mêmes les lois au fond de leur cerveau et de leur cœur. Je leur demande seulement d'éviter la sécheresse des régimes qui prétendent commander les foules sans les instruire ni communier avec elles. Notre peuple mérite qu'on se fie à lui. J'étais subjugué par ce texte, non seulement parce que c'est un témoignage et aussi une analyse très forte, mais surtout parce que c'est quelqu'un qui écrit en juillet 40, au moment où le moral de la France est sûrement très bas, il est capable de prendre du recul, d'analyser, et surtout, c'est ça qui m'a frappé, de s'adresser aux générations futures. En disant, je vous écris pour plus tard, je ne sais pas quand est-ce que ce livre va ressortir, mais c'est pour vous que j'écris. Alors ça, je trouve ça extraordinaire, que par un objet de culture qui est d'une plume et un crayon, plus du papier, on fait l'acte d'écrire pour transmettre, je trouve que là, c'est le rôle du théâtre de le défendre. Aujourd'hui, dans une France où le révisionnisme historique, détestable tendance, est à la mode, dans un pays qui est à la recherche de nouveaux repères, Marc Bloch nous propose dans ses ouvrages, dans chacun des actes de sa vie, un exemple de ce que peut et de ce que doit être pour son pays un homme de réflexion et de combat. Et parce que commémorer, mesdames et messieurs, c'est à la fois honorer le souvenir des actions passées et proposer des modèles pour l'avenir, je souhaite que cette plaque que nous dévoilerons dans quelques instants, rappelle à tous ceux qui passeront dans cette rue de Sèvres le sens du combat, de l'œuvre et de la vie de Marc Bloch. Il est d'abord actuel pour ceux qui font de l'histoire, qui l'enseignent, et ceux qui l'aiment, les amateurs d'histoire, qui sont quand même très nombreux, d'autant plus que nous vivons à une époque où il y a une certaine mode du Moyen-Âge. Et c'est Marc Bloch.
qui reste toujours l'essentiel, non seulement par ce qu'il a fait, par ce qu'il a écrit, mais par les directions qu'il a montrées et qui ne sont pas encore très bien explorées et où nous devons nous engager à sa suite, où il est notre meilleur guide. Par exemple, l'histoire comparée, l'histoire des mentalités. Et puis alors, il a évidemment, dans des circonstances exceptionnelles, la guerre et la résistance, uni en lui l'historien et le citoyen. Écoutez, je dois aller parler avec Tuber. Oui. On se verra après. Voilà. Et il ne faut pas se tromper car il y a le nom écrit sur la médaille. Donc je vérifie que sur ta médaille, il y a bien écrit Rudolf Kuchenbourg et qu'il n'y a pas écrit Chris Wicker. Voilà. Bien, écoute, je voudrais quand même dire un mot pour te présenter, pour dire combien je suis heureux de t'accueillir et de t'accueillir au fond. Pour des hasards de calendrier, tout à fait, en même temps, je dirais, que Chris Wickham, alors que, précisément, nous travaillons tous sur des domaines qui sont un petit peu voisins. Quand on parle de Marc Bloch, on fait allusion à la société féodale, à un certain nombre de textes, à l'apologie, on explique que c'est le créateur de l'histoire rurale, bon, un certain nombre de choses qui sont parfaitement exactes, et dans lesquelles, pour lesquelles Marc Bloch a joué un rôle effectivement très important, mais il est systématiquement évité de replacer ça dans une conception générale de l'existence personnelle et de cette idée qu'au fond, en tant que fonctionnaire, en tant qu'intellectuel, on a un rôle à jouer qui n'est pas simplement de faire une carrière ou de faire avancer ponctuellement tel ou tel intérêt, mais de se situer dans une structure sociale générale et d'apporter une contribution, et une contribution claire, définie, à un mouvement et à une transformation dans laquelle on essaye de s'inscrire. Et ça, je crois que c'est une leçon qui est toujours totalement actuelle et qui mériterait d'être beaucoup mieux mise en valeur. Marc Bloch, dans le cours de son existence, essentiellement en une vingtaine d'années, a publié plus de 1000 comptes rendus. Donc ce sont des textes qu'il a rédigés pour que les lecteurs les lisent. Donc pour que ces textes soient publiés, pour que ces textes soient lus par le public. Un compte rendu chaque jour. C'est un rythme incroyable. Et quand on lit ces comptes rendus, c'est un plaisir aussi considérable, parce qu'en fait, ce sont des comptes rendus extraordinaires. Par rapport à la situation actuelle, ce sont des comptes rendus extraordinairement violents. C'est-à-dire que, selon le principe du 4 et demi, justement, Marc Bloch, c'était 4 ou c'était 5. C'est-à-dire, ce livre est bon, ce livre est mauvais. Et si ce livre était mauvais, le livre était écrasé. Et si le livre était bon, il était demandé au lecteur de le lire. Et il y avait relativement peu de situations intermédiaires. Et ça, c'est une leçon qui a été totalement occultée, totalement oubliée. Entre le vœu de fidélité de la mémoire et le pacte de vérité en histoire, l'ordre de priorité est indécidable. Seul est habilité à trancher le débat le lecteur, et dans le lecteur, le citoyen. Merci. La conférence Marc Bloch, c'est une conférence un peu solennelle qui est donnée chaque année au mois de juin dans les salons de la Sorbonne. Et c'est un peu la fête de l'école des hautes études en sciences sociales. Alors cette école, Marc Bloch ne l'a pas connue puisqu'il est mort en juin 1944 et que l'école
a été créée 4 ans plus tard, mais dans son esprit, cette école en sciences sociales entend rester fidèle à l'enseignement, à l'œuvre et à la personne de Marc Bloch. Voilà pourquoi, à la fin des années 70, lorsque mon prédécesseur François Furet a eu l'idée d'une cérémonie annuelle qui serait d'abord une cérémonie intellectuelle, nous avons décidé de donner le nom de Marc Bloch à cette rencontre. Si on vous demandait en quelques mots de résumer ce que représente pour vous Marc Bloch, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, c'était l'élargissement de la lecture des documents au-delà du simple témoignage, et il a introduit la notion des témoignages malgré eux, et donc tout le vaste champ des documents. Et donc c'est ça ce qu'il appelait l'équivalent de l'observation dans les sciences naturelles. Eh bien, en histoire, il y a la critique du témoignage, des témoignages indirects et de tous les documents. Et ce que maintenant nous appelons les traces. Et il a créé cette expression, l'histoire, c'est la science du passé dans ses traces. Et l'idée de trace, je dirais que le trace, c'est ce que le passé a laissé malgré nous ou sans nous, et que nous devons toujours remonter et suivre pour retrouver l'événement qui a fait la frappe de la trace. Mon idée de l'histoire, et Marc Bloch n'a fait que me confirmer de son autorité, de sa persuasion, cette idée, c'est que l'histoire, ça doit être les hommes, ça doit être la vie. Et il y a cette phrase merveilleuse, bon, qui a été souvent très reprise, peut-être un peu trop, qu'il y a dans Apologie pour l'histoire, là où l'historien sent la chair fraîche, il est comme l'ogre de la fable, il sait que là est son gibier. Très bien. 11h30. Notre émission est consacrée ce matin à la publication posthume d'un recueil d'études du grand historien Marc Bloch. Cet ouvrage a été réuni et édité par le fils aîné de Marc Bloch, Étienne Bloch. Emmanuel Leroy Ladurie, vous n'êtes pas seulement un grand spécialiste aussi de l'histoire rurale, mais très précisément, vous avez donné à ce volume une préface qui me paraît à la fois très excitante, si je vous dirais très importante. Vous voudriez là dire ce qui vous paraît essentiel pour nos auditeurs? Oui. Je rappelle d'abord que Marc Bloch avait été élu le plus grand historien du XXe siècle dans l'université de Michigan, sous mes yeux, il y a une vingtaine d'années. J'évoque dans cette préface ses travaux sur la seigneurie française et le manoir anglais, ses rapports au marxisme, les rapports de Marc Bloch au marxisme, qui sont assez complexes, car je crois qu'il avait été quelque peu influencé par cette doctrine avant la guerre de 14 et qu'il avait gardé un certain souvenir. Le refus de l'exagération de l'événementiel, des développements qu'ont donné les élèves de Marc Bloch ou les disciples de Marc Bloch, notamment Pierre Goubert, à propos de la crise de subsistance, qui est presque un phénomène scientifique. Au fond, Fernand Braudel disait que l'histoire est une science, puisque nous savons, nos expériences sont faites, alors que celles des autres, il faut encore les faire. Et enfin, les réflexions sur la classe des laboureurs, datées par un de nos amis Jacques Le Goff de 926 après notre ère, mais qui ont tout un développement important, jusqu'aux classes des grands fermiers capitalistes actuel. Un nouveau Marc Bloch posthume qui est la réflexion sur l'histoire de l'agriculture depuis le néolithique grâce au carbone 14, qui est un peu, et alors ça c'est l'histoire purement structurelle qui n'est pas événementielle. Bref, l'immense richesse à la fois vitale et posthume de la pensée de Marc Bloch dans ce livre. Pierre Toubert, vous aviez donné, vous, une préface à la réédition il y a quelques années de l'ouvrage le plus important, en dehors maintenant de celui-ci, de Marc Bloch sur l'histoire rurale, c'est-à-dire les caractères originaux de l'histoire rurale française. Par rapport à cet ouvrage, les caractères originaux, par rapport à votre préface, est-ce que ce volume est une confirmation ou apporte du nouveau ?
Ce qui me paraît important ici, c'est évidemment peut-être de centrer notre propos d'aujourd'hui sur deux choses. Sur d'une part, je dirais, la manière tout à fait intelligente et suggestive dont ces apports extrêmement éparpillés de Bloch ont été réunis par Étienne Bloch sous quelques grandes têtes de chapitre. Là, je crois que le travail de réunion est plus qu'un travail de réunion. Il nous fait apparaître les centres d'intérêt de Bloch pour les régimes agraires, pour l'habitat et en particulier pour le village, et par conséquent pour, je dirais, non seulement l'histoire des structures agraires, mais l'histoire de la société rurale. Et ce qui fait l'originalité de Bloch et de l'école française après Bloch jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux historiens qui animent la revue Histoire et Société Rurale, qui est vraiment une des meilleures revues françaises actuelles, c'est cette diversité d'intérêts, cette capacité à conclure des alliances avec d'autres sciences sociales et même avec, je dirais, des sciences non sociales, telles que les disciplines qui ressortissent à l'archéologie des terroirs, par exemple. Ce livre nous apporte la preuve de sa capacité à tenir constamment ouvert, vivant et en progrès ses études d'histoire rurale. Mais qu'à côté de ça, il y avait évidemment en chantier et sur son bureau des ouvrages sur la société féodale en préparation, elle aussi, dans les années 30, et tous ces dossiers importants que tu faisais allusion à la préface de Le Roi la Durie et à la mienne, je peux faire allusion à ta préface au Roi Thaumaturge et dire qu'il y avait aussi tout ce volet très important dans l'œuvre de Bloch. Donc c'est un historien qui a une grande diversité d'intérêts. Nous parlons ce matin de Bloch, historien des structures agraires. C'est un Bloch parmi d'autres et un Bloch toujours riche, vivant, rénové, qui nous apparaît dans ce volume. C'est un historien dont les travaux sont mondialement reconnus. Les conceptions ont ouvert la voie aux chercheurs actuels. Marc Bloch avait fait le choix d'avoir une maison en Creuse, à Fougères, dans la commune du Bourdon. Son corps repose d'ailleurs dans le cimetière de cette commune. Eh bien, pour nous, c'est un très grand privilège que de pouvoir donner au collège du chef-lieu de canton le nom d'un Creusois, certes d'adoption, mais d'un Creusois quand même, et surtout d'un Français à la notoriété internationale. Je vous remercie. C'est quand vous voulez. Vous pouvez tirer. Ça colle un peu. Voilà. Je sens que par cette exposition, je participe aussi à maintenir la mémoire de Marc Bloch. Ce qui est quand même un patrimoine considérable quand même, parce que c'est un personnage très important sur le plan international. Peut-être qu'au niveau local, on ne se rend pas compte non plus de la portée du personnage, toujours peut-être parce qu'on ne le considère pas comme étant purement limousin, purement creusois, mais bon, finalement, peu importe, il a vécu dans la Creuse, il s'est attaché beaucoup à la Creuse, et il n'aurait pas été ce qu'il est, enfin, il n'aurait pas pu se consacrer à tout ce qu'il a fait pendant l'occupation si dans la Creuse, sa famille n'avait pas trouvé autant de complicité et autant d'aide. Et donc la Creuse est importante finalement pour la vie des Blocs. Et bon, l'exposition, c'est une manière de rendre hommage aussi bien aux Creusois qui ont participé à apporter de l'aide aux Blocs et pour Bloch lui-même, hein, je pense. Il a toujours dit que s'il a commencé à faire l'apologie pour l'histoire, c'est parce qu'un jour, je lui ai demandé à quoi ça sert. Donc c'est vous. Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert l'histoire? Je pense 12, 13 ans, je ne sais plus, moi. Parce que ça me paraissait, à la limite, un peu con, quoi, à l'époque. Et ça l'avait visiblement frappé, parce que c'était pas au fond une question tellement bête. Mais cela dit, pour moi, qui suis un peu plus jeune qu'Étienne, et un an, ça compte quand on a nos âges, un an et demi même,
Je n'ai aucun souvenir, si je puis dire, professionnel de mon père. Il était, bon, c'était un professeur brillant qui faisait des travaux importants auxquels je ne pigeais strictement rien et au fond qui m'intéressait hier. Je crois que c'était pour la... Peut-être un peu à part Étienne, c'était le sentiment de ces enfants en âge de réfléchir un tout petit peu. Je ne parle pas des plus petits, qui étaient évidemment trop petits pour ça. Et il était donc en même temps très proche et très étranger. Et tellement occupé par ses travaux, par tout ça. Marc Bloch passait ses vacances en Creuse et donc il a fait partie de nos lecteurs avant la guerre. Et il a pu donc consulter ce genre de documents qui sont à la fois des documents figurés, comme ce magnifique plan terrier de la fin du 18e, et d'autres documents plus austères, mais qui sont tout aussi utiles. Et c'est le défrichement de ces documents qui lui a permis de rédiger tous ces articles, à la fois dans nos services ici en Creuse, mais dans d'autres départements. Ce sont des plans extrêmement précieux pour reconstituer, là encore, le paysage et même l'exploitation, donc l'ensemble du système agraire sur lequel Marc Bloch a attiré notre attention. En fait, les grands espaces auxquels Marc Bloch s'est intéressé avant d'acheter sa maison à Fougères, de l'autre côté de la vallée, portent essentiellement sur la Picardie, sur la Beauce, sur l'Île-de-France, pour lequel il est un redécouvreur, pour lequel il est un des premiers à non plus s'adonner à une simple description, mais à une véritable problématisation, c'est-à-dire à un questionnement, à un étonnement, face en particulier à des paysages qui, pour lui, ne sont jamais des paysages en tant que tels, comme une manifestation seulement esthétique, mais derrière lesquels il cherche toujours la main de l'homme, le travail de l'homme qui a pu façonner. Et évidemment, derrière cette main de l'homme, eh bien, se trouve, ou plutôt devant, se trouve à la fois l'outil, donc la trace matérielle, mais également l'ensemble des contraintes économiques et des contraintes de pouvoir politique, d'où évidemment son intérêt pour les liens de dépendance et en particulier pour tout ce qui concerne le servage. Ce cycle exceptionnel de peinture murale à Gargilès, à une encablure de Fougères, à la limite du département de l'Indre et de la Creuse, nous permet d'évoquer ce qui est sans doute l'ouvrage majeur de Marc Bloch dans son apport révolutionnaire à l'histoire de la culture, l'histoire des religions, l'histoire des sciences même, les rois thaumaturges. Alors cette peinture, elle nous montre les différents aspects, d'une certaine manière, de cette œuvre. La religion avec les rois de ce monde qui viennent se prosterner devant le roi des rois et qui, selon la conception médiévale, tiennent leur pouvoir de Dieu et par conséquent, tenant leur pouvoir de Dieu, eh bien, sont à même de pouvoir accomplir au nom de Dieu les miracles nécessaires. Ces miracles justifient bien sûr leur pouvoir. Lecture, je dirais, à la lettre de, pour l'instant, telle qu'on la voit, de la parole évangélique. Et puis, ce qui est intéressant, et ça aussi c'est l'apport majeur de Marc Bloch, d'avoir attiré notre attention sur les éléments de culture populaire, sur cet aller-retour permanent entre la culture savante et la culture populaire. Et ici, on le voit bien illustré à travers l'écuyer des rois mages, Galopin, celui qui galope, qui attend là ses maîtres et qui est en position, là encore, on pourrait évoquer toute l'œuvre de ministériaux, des vassaux qui servent les rois, auxquels évidemment Marc Bloch a également consacré la plus grande attention à travers un deuxième chef-d'œuvre, mais plutôt, je dirais, une œuvre de synthèse, La société féodale. Tout l'intéressé, tout le passionné. Brusquement, il fallait qu'il comprenne le calcul des probabilités. Et puis après, c'était autre chose d'aussi complexe et d'aussi en dehors, si je puis dire, de son intérêt principal. Je crois qu'en fait, il n'y avait pratiquement rien qui ne l'intéressât. Et quand il s'en intéressait, il s'y plongeait. Ce n'était pas du tout superficiel. Et là, je crois que c'était ça son génie, quoi, finalement. Ceci, ce n'est pas le bureau de mon père, mais
après la guerre, on a transformé, on a construit en quelque sorte cette pièce et on y a rassemblé tous les livres qui subsistaient, qui se trouvaient à Fougères ou qui ont été restitués par le ministère de je ne sais plus quoi, au moment où on a découvert avec, dans les mines de sel de la Saxe, on a trouvé des quantités de bibliothèques qui avaient été réquisitionnées, etc. Alors, l'un des intérêts de cette bibliothèque, c'est évidemment de pouvoir nous fournir en quelque sorte la bibliographie, le socle des connaissances que Marc Bloch a pu utiliser, transformer et sur lequel il s'est appuyé. Et on s'aperçoit de manière thématique aussi dans l'approche d'histoire rurale que Marc Bloch a envisagée dès ses premiers travaux en 1910-1911 sous la direction de Christian Pfister sur le servage, sur l'histoire des campagnes de l'Île-de-France. On s'aperçoit de l'influence également très importante des géographes français et de l'école de géographie. Ici, on voit très bien classé un certain nombre de travaux. Le cours d'économie politique de François Simion sur la monnaie, sur l'économie, avec des références évidemment à l'un des premiers grands théoriciens de la monnaie médiévale, Nicolas Rehm, au XIVe siècle. Un certain nombre d'autres travaux qui émanent à la fois d'historiens allemands et d'historiens anglais. Les travaux sur l'As, les travaux sur la livre sterling, et puis parmi également l'histoire sociale, on peut trouver un certain nombre de grands classiques, qui sont ceux de Georges Espinas, par exemple, de Unwin sur les associations de métiers, les corporations à Londres, entre autres. Il faut reconnaître également dans le processus d'enrichissement bibliographique de Marc Bloch le rôle fondamental des annales d'histoire économique et sociale, fondées par lui-même et Lucien Febvre en 1929, car une des particularités des annales, c'est la masse considérable des comptes rendus qui occupent ces pages. Ces comptes rendus et cette revue des annales ont contribué, à mes yeux, de manière majeure, à tracer ce qui, bien ultérieurement, a fini par s'intituler École, mais qui, dans l'esprit de Marc Bloch, était sans doute une façon de donner des leçons, mais n'était pas, d'une manière ou d'une autre, la volonté d'ériger un dogme impérialiste et exclusif sur l'ensemble de la matière qui fait le quotidien des historiens. Ça, c'est la photo de Gustave Bloch, le père de Marc Bloch, mon propre grand-père que je n'ai pas connu. Professeur à l'École normale supérieure qui a formé une quantité considérable d'historiens plus ou moins connus. Et à côté, là, c'est donc son... Alors, là, c'est Sarah Epstein, son épouse, qui est née en 1858, et avec laquelle il a eu deux enfants connus, Louis Bloch, l'aîné, qui est devenu médecin des hôpitaux et qui est mort très jeune en 1921, et une autre fils qui est Marc Bloch. Son père et sa mère étaient en dehors de toute religion, même comme ici, comme il le dit dans son testament, son père a tenu à ce qu'on donne des prières juives sur sa tombe. Pour moi, c'est très compliqué et je dois dire que j'ignore réellement comment il concevait son appartenance, même s'il l'a écrit, comme tu le dis justement, c'est pas une réelle explication pour moi. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais
C'est un problème que moi je me suis posé. Je me suis demandé exactement comment, en quoi il se sentait fidèle à ses ancêtres, plus que fidèle. Je trouve qu'il a assez bien qualifié ce que représentait pour lui le statut des Juifs. Il a parlé de sort injuste, ce qui montre que il appartenait pas réellement non plus à ce qu'on appelle à tort la communauté juive. En définitive, il est vrai que Bloch est beaucoup, beaucoup plus apprécié et connu à l'étranger qu'en France. En 1993, quand j'ai commencé à travailler sur des projets concernant Marc Bloch, il y avait beaucoup de gens, même très illustres, enfin, des gens, des intellectuels ou des gens ayant de grandes responsabilités culturelles et politiques, connaissaient à peine, ça leur disait quelque chose. Je me rappelle que même, je ne dirais pas le nom, mais un politique m'a dit « mais il a laissé beaucoup de tableaux, Marc Bloch ». Alors je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Donc s'il pensait que Bloch était peintre ou qu'il avait la caricature en tête du juif ayant beaucoup d'œuvres d'art, vous savez, c'est quand même un mythe qui alimentait beaucoup, qui continue à alimenter l'imaginaire populaire. Et donc c'est vrai que Bloch est quand même beaucoup plus reconnu au niveau international. Je suis d'origine mexicaine, donc Bloch a même fait partie de l'œuvre de Bloch, notamment Apologie pour l'histoire, fait partie des livres qu'on lit dans le secondaire. Donc c'est dans d'autres pays que l'œuvre de Bloch a beaucoup plus d'impact. Peut-être dans des pays nouveaux aussi, ou dans des pays où on se pose beaucoup de questions. En Allemagne, par exemple, aussi, il y a un grand intérêt pour l'œuvre de Marc Bloch. Et aux États-Unis, il y a quand même un intérêt considérable dans les milieux historiques, d'historiens, pardon, et dans les milieux littéraires. Chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureux et très ému d'ouvrir cet après-midi d'hommage dans la première partie duquel notre université adoptera, avec la solennité qui convient, le nom de Marc Bloch. Cette adoption, vous le savez, a été votée le 30 octobre 1998 par le conseil d'administration de l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Se donner un nom est une pratique peu courante et même exceptionnelle, car il est sans doute de la nature du nom propre de nous être toujours donné par autrui. Gabriel. Voilà. Bloch Eliokoum, Gabriel. Dit Wolf. Ouais, fils de Wolf. Donc c'est la tombe numéro 107. Et votre arrière-grand-mère s'appelait Sarah Lévy. 107. Voilà. La voilà. 107. La voilà. C'est lui ? Oui, oui, oui. 107. Alors, tout de même, on va essayer de déchiffrer. C'est Bloch, effectivement. Ça aurait peut-être fait. Voilà, il y a marqué, effectivement. Là, il y a marqué Bloch, vous voyez. Ici, c'est marqué. Alors, ça, c'est tout de même. Ça fait revivre une l'histoire, tout de même. Absolument. Volontaire de l'an 2. Absolument. Et c'est celui de l'ancêtre dont mon père était si fier. Voilà, c'est, vous voyez. Les pierres qui ont été enlevées, où là nous trouvons la pelouse, ce sont des pierres qui ont été enlevées à la fin de la guerre par les gens de Vincennes pour faire des barrages anti-chars, pour permettre aux armées allemandes de se replier. Et ces pierres, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Il semblerait qu'il y en ait qui sont partis à la décharge avec Tolsem. Et Freddy Raphaël, que vous connaissez peut-être de nom, le sociologue, a fait un travail là-dessus. Ah bon? Puisque Freddy est également issu de Turquem, sa maman était de Turquem. Vous êtes enfin, dirais-je, à l'université Marc Bloch, puisque ça a été pendant très longtemps une université sans nom. Et pendant 7 ans, il y a eu un débat très vif à l'université, à l'intérieur de l'université, pour savoir quel nom allait être donné. Et puis il y a eu des sélections successives et en fin de parcours, il ne restait que Marc Bloch. Et on pensait que ce nom allait être reconnu puisqu'il y avait eu
Eh bien non, il y a eu 7 années de combat autour de ce nom. Quelque part, cet homme qui est entré en résistance pour mettre en accord, j'allais dire, son activité avec ce qu'il pensait, était gênant. Le fait qu'il soit juif était également gênant. Et j'allais dire, le fait que cette figure peut-être était, comme je l'ai dit auparavant, très sans aucune haine vis-à-vis de l'Allemagne et refusant d'enfermer l'Allemagne dans une espèce d'essence maléfique, là aussi gêné. D'une manière ou d'une autre, des transformations intellectuelles doivent trouver leur concrétisation dans les rapports de force institutionnels qui se transforment, qui changent. Donc il s'agit d'occuper, de conquérir d'abord, d'une certaine manière, d'occuper des places au niveau de l'université. Et il est évident que pour Marc Bloch et pour Lucien Febvre, qui ont eu le privilège d'être ici enseignants à l'Université de Strasbourg dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, alors avec tout ce que l'on sait maintenant, enfin tout ce que l'on sait, tout ce qui a été effectivement projeté sur cette université-là au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est évident que là, ils sont dans un courant très général, disons, d'innovation. Ce qui a joué un très grand rôle et ce qui était tout à fait dans l'esprit des annales, c'était les fameuses réunions du samedi matin. Réunions du samedi matin qui réunissaient des spécialistes de toutes les périodes et d'autres disciplines que l'histoire. Il y avait Lucien Febvre, il y avait aussi Halbwachs, le sociologue, Pirenne, le spécialiste de l'histoire économique, a fait des conférences ici. Il y avait Bollig, le géographe, une très grande ouverture sur la géographie. Toutes les sciences de l'homme, en fait, étaient représentées. Et c'était essentiellement des réunions d'information et de diffusion des connaissances. On faisait essentiellement les comptes rendus des ouvrages récemment parus. Et ça, ça a été aussi important que les instituts eux-mêmes. C'était une caisse de résonance par rapport à la revue Les Annales. C'était une caisse de résonance. Et là, vous avez déjà, d'une part, l'interdisciplinarité et la disparition progressive, enfin, l'effacement progressif des limites chronologiques à l'intérieur des périodes historiques. Deux grandes idées parmi d'autres de l'École des Annales. Je présente Bertrand Muller de Lausanne. Bonjour. Enchanté. Travailler sur la correspondance de Marc Bloch. Est-ce que vous êtes tout à fait conscient de l'endroit où vous venez de passer? Vous venez de passer dans cette fameuse porte qui a valeur symbolique, puisque c'était cette porte qui séparait l'Institut d'Histoire moderne à côté de l'Institut d'Histoire médiévale dans lequel vous vous trouvez, et que Marc Bloch et Lucien Febvre, tout à fait symboliquement, maintenaient ouverte. Et vous vous trouvez donc ici dans cet institut qui s'appelle toujours Marc Bloch au sein de l'Université Marc Bloch, et vous pouvez constater que le décor n'a pas changé. Vous avez certes quelques ordinateurs et les livres sont plus récents, bien sûr, mais pour tout ce qui est du reste, le décor n'a pas changé. Il est tout à fait à l'identique. C'est, j'allais dire, un endroit où vous pouvez presque trouver les traces de Marc Bloch. On sentait là cette volonté de former l'esprit. Je crois que c'est ça la définition du professeur, celui qui forme l'esprit, celui qui ouvre, qui donne la vision générale, tout en ne négligeant pas les détails. Et en particulier, je me souviens de trois thèmes qu'il nous a traités à ce moment-là. Il avait déjà en train ses caractères originaux de l'histoire française, et c'était d'abord des thèmes d'histoire agraire, si vous voulez. Et je me souviens très bien, en particulier, ça m'a frappé, car il étudiait d'une façon comparée les sociétés rurales de France et d'Angleterre. En fonction, si vous vous souvenez de sa thèse qu'il avait passée il y avait déjà pas mal de temps, sur les rois et serfs en Angleterre et en France, et c'était société rurale, et je me souviens d'un nom, c'est le Domesday des Book. Hein? Le Domesday des Book, c'est-à-dire cette charte, cette carte, pour ainsi dire, de l'Angleterre rurale qui a été dressée en 1066, au moment où, après la conquête anglo-normande. Et il nous disait, quelle chance pour l'Angleterre, non pas d'avoir été conquise, quoi qu'on peut en discuter, mais de posséder cette vision générale des paysages agraires, ce relevé méthodique, en somme, des tenures, des seigneuries, etc., qui a été fait évidemment pour procéder à la répartition du sol au moment où les envahisseurs pénétraient en Angleterre. Domesday Book, ce nom est resté. C'est curieux. Et c'est à la fois devenu, en somme, une connaissance, ça peut toujours être utile, mais un symbole. Un symbole de la connaissance des sources.
Et je crois que c'est un autre point sur lequel on peut insister, c'est que partout, il ne faisait pas l'histoire apprise, mais l'histoire, il nous montrait comment se faisait l'histoire. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Comment se faisait l'histoire en partant de ce Dobbesdebuch, en étudiant ce qui est venu après, les apports des uns, les apports des institutions, les apports des forces économiques, les apports des hommes, en nous montrant la constitution véritablement des nouvelles sociétés de ce qui allait être l'Europe. Marc Bloch, après l'agrégation, décide de passer deux semestres en Allemagne, comme c'était un peu la tradition pour les meilleurs étudiants français, et il décide de partir à Berlin et à Leipzig. Et sa première étape, c'est l'université Humboldt, où il débarque au printemps de 1908. Et il suit donc des cours dans ce bâtiment, des cours non seulement d'histoire d'ailleurs, mais il s'inscrit dans le département d'économie, parce qu'en fait, il s'intéresse plus particulièrement à l'histoire économique. Et il suit les cours de certains des plus fameux professeurs de l'époque, Gustav Schmoller, par exemple, qui reviendront dans son œuvre plus tard. Marc Bloch était bien connu en Allemagne. Ses livres ont trouvé des comptes rendus. Il a eu quelques contacts avec des historiens allemands. Nous avons quelques correspondances entre Marc Bloch et des historiens allemands. Certains historiens allemands ont contribué aux annales, d'ailleurs. Mais cette réception était, bien entendu, limitée. Limitée du fait que l'approche même de Marc Bloch était quand même passablement étrangère à l'approche dominante en Allemagne, qui était une approche nationaliste. Or, Marc Bloch, tout patriote qu'il était, n'était pas chauvin, n'était pas nationaliste. Il disait lui-même, je déteste le nationalisme, je déteste le nationalisme scientifique, universitaire. Et du coup, il devait faire figure d'outsider dans le monde scientifique de l'entre-deux-guerres, qui était encore largement marqué par les antagonismes nationaux. Marc Bloch, au niveau mondial, même pas au niveau allemand, est, je pense, un des historiens les plus cités qui existent. C'est devenu une sorte d'icône historiographique, tout le monde s'en réclame. Alors, du coup, on trouve des Marc Bloch à toutes les sauces. Hein. On trouve un Marc Bloch marxiste, on trouve un Marc Bloch historien de l'économie, un Marc Bloch historien des mentalités. On trouve même maintenant un Marc Bloch postmoderne. Chacun prend un peu son Marc Bloch qu'il veut. En Allemagne, évidemment, on a tendance peut-être aujourd'hui à chercher le Marc Bloch germanophile, le Marc Bloch qui écrit des centaines de comptes rendus sur des ouvrages allemands, qui a des contacts avec des historiens allemands et qui, du coup, semble avoir eu un rapport absolument privilégié à l'Allemagne. Il y a du vrai dans cela, mais en même temps, il faut bien voir que Marc Bloch, pour autant, n'était pas ce qu'on pourrait appeler un germanophile. Je crois que si Marc Bloch avait un pays qu'il aimait profondément, où il adorait aller, c'était l'Angleterre plutôt. Marc Bloch était profondément anglophile, ça on peut le dire sans hésiter, tandis que l'Allemagne, ça le fascinait, mais ça l'inquiétait aussi, et à son époque, en tout cas, il n'avait pas tout à fait tort. À la chute, après la chute du mur en 89, et à partir des rencontres des sommets franco-allemands, Mitterrand et Kohl s'étaient accordés pour créer symboliquement, à Berlin, un centre de recherche en sciences sociales pour étudier les mutations de l'Allemagne de l'Est. Et aussi de renforcer donc la recherche franco-allemande, l'idée a été d'installer donc derrière le Reichstag symbolique du Parlement allemand, d'installer, qui n'était pas encore à Berlin, d'installer donc un centre de recherche à Berlin-Est. Ce n'est pas simplement un centre français en Allemagne et une petite maison fermée sur l'Allemagne. Donc c'est aussi quelque chose, un élément, une composante, je dirais, d'une Europe de la recherche. Nous partageons, et là c'est intéressant aussi, avec les ethnologues, le département d'ethnologie urbaine de l'Université Humboldt,
ce bâtiment qui nous a été accordé, enfin dont l'étage nous a été accordé. Nous sommes sur un étage de ce bâtiment, auprès de l'âge près, qu'on peut voir, qui est enfin, symbolique, qui est aussi une frontière pendant la guerre froide. Et cet étage donc, nous a été accordé, nous est financé par le Sénat de Berlin. Donc à la fois l'investissement de la ville, de l'université, du milieu académique, du milieu politique, toute une symbolique. Je suis en Allemagne, affecté au centre depuis 4 ans maintenant. Et donc ici, je dirige une équipe réduite, d'ailleurs en taille, mais on s'occupe surtout de ce qu'on appelle l'islam transplanté, donc grosso modo l'islam de l'immigration, et l'immigration, les questions liées à l'immigration, d'une manière générale. Et pour une raison bien simple, c'est qu'aujourd'hui on ne peut rien comprendre à la société, à nos sociétés, aussi bien en France qu'en Allemagne, si le facteur immigration n'est pas pris en compte. Ça fait partie de la vie sociale aujourd'hui, une dimension essentielle. On peut difficilement concevoir l'anthropologie, surtout des sociétés contemporaines, sans la tradition des annales. Hein, c'est donc quand même notre ancêtre, d'une certaine manière, comme Lévi Strauss, comme d'autres, comme Braudel. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a apporté un regard dans notre discipline. Et puis, il y a quand même une espèce de regard particulier qu'il avait sur l'Allemagne qui est inimitable. C'est un peu notre esprit tutélaire. Si vous voulez parler en anthropologue, je dirais que c'est un peu notre esprit tutélaire, mais au sens étroit et noble du terme. Je crois que sur ce plan-là, on l'évoque tous les jours. Ça, c'est sûr. Angefangen habe ich zwei Durchsagen zu machen zu dem Stichwort französische Intellektuelle heute, ich lasse das auch rumgehen. In der nächsten Woche ist ein Vortrag von Regine Rodin in Berlin.